Le Parlement éthiopien adopte une nouvelle loi visant à contrôler la circulation d'armes illégales dans le pays. La possession d'armes à feu par des particuliers est une pratique courante dans diverses communautés éthiopiennes. L'Éthiopie espère que cette loi sur l'usage et le contrôle d'armes à feu, adoptée jeudi par la Chambre haute du pays, contribuera au maintien de la paix et de la sécurité dans tout le pays. Lire aussi, un diplômé en chimie, cireur de chaussures en Éthiopie. Le nouveau texte limite le nombre d'armes à feu qu'un individu peut posséder et interdit la vente et le transfert à un tiers. La législation prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour ceux qui portent illégalement une arme à feu et jusqu'à 15 ans pour leur vente illégale en vrac. Lire aussi, violence intercommunautaire en Éthiopie. Les personnes qui possèdent ou transportent actuellement des armes à feu sans permis ont un an pour faire enregistrer leurs armes à feu et obtenir des permis. Au cours des deux dernières années, la violence ethnique et religieuse a entraîné la mort de milliers de personnes et le déplacement de millions d'autres, tandis qu'une augmentation de la circulation d'armes illégales a été signalée dans le pays.